Contrairement à Kate Middleton, Meghan Markle n'accouchera pas à la maternité privée Lindowin de l'hôpital Saint-Marie. Meghan Markle ne donnera pas naissance à son royal baby dans la même maternité que Kate Middleton. La duchesse de Cambridge a accouché de ses trois enfants, la princesse Charlotte, le prince George et le prince Louis, à la maternité privée Lindowin de l'hôpital Saint-Marie comparé à un 5 étoiles, à Londres. Mais d'après une source royale citée par le Daily Express, la duchesse de Sussex ne veut rien faire comme Kate Middleton. L'épouse du prince Harry a donc choisi d'accoucher à Frimley Park, dans le Surrey, au sud du Grand Londres. Meghan Markle et son mari le prince Harry ne connaissent toujours pas le sexe de leur bébé, d'après Mirror. Il compte bien garder le mystère jusqu'au bout. Lors de sa visite à Birkenhead, dans le Merseyside, la jolie brune a confié à une personne présente dans la foule : « Nous ne savons pas si c'est un garçon ou une fille, nous gardons comme une surprise. » Pourtant, les bookmakers de Paddy Power sont persuadés que le royal baby sera une fille. L'un d'eux explique que le schéma de Paris actuel est exactement le même que celui qui annonçait le mariage de Meghan et d'Harry puis la grossesse de la duchesse. La duchesse de Sussex a également révélé qu'elle était enceinte de 6 mois et devait arriver d'ici fin avril, début mai.